Mes chers amis cancer, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau pour votre lecture intuitive du mois d'août. Et oui, ça y est, elle est là, elle est enfin arrivée. Merci de votre patience. Oui, il reste encore 12 jours. Rassurez-vous, dans les énergies, il n'y a pas vraiment de temporalité, je veux dire. Et donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a encore quelques messages à recevoir. Voilà, en tout cas, ça peut être aussi considéré comme une vidéo intemporelle, une vidéo estivale. Alors, on y va, on commence tout de suite avec votre énergie principale qui a pu vous traverser durant ces 15 premiers jours et qui va peut-être aussi continuer à l'être. Vous avez eu donc la lune qui est votre astre, qui vous gouverne. Hein, donc ici, on parle comment dire, de votre foyer, hein, au sens propre comme au sens figuré. Tout ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce qui est en train en ébullition. Et là, on parle surtout que vous avez en tout cas cette facilité de mettre en avant votre talent imaginatif. Donc là, vraiment, on vous dit de vous appuyer sur votre part non consciente, on peut parler aussi de subconscient avec la lune, pour engendrer, pour féconder quelque chose en tout cas d'intuitif, quelque chose de créatif. Et ça peut aussi nous parler que voilà, que vous êtes aussi dans cette écoute de vos cycles, hein. Ça peut aussi nous parler de maternité pour certaines pardon, d'entre vous. Donc voilà, donc là il y a vraiment cette énergie de grande sensibilité à explorer. Parce que ici, c'est des forces inconscientes, mais qui sont là pour vous donner cette capacité à ressentir, à comprendre vos sensations, plutôt de sensations féminines, même, ou de polarité féminine, on peut dire ça comme ça, mais c'est aussi comprendre votre vie intérieure, comprendre vos cycles de manière très subtile. Donc là, il y a peut-être aussi cette énergie de pouvoir utiliser ces sentiments peut-être vulnérables, ces émotions qui vous fragilisent au service de quelque chose qui peut vous donner des facultés créatives et imaginatives. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Mais il y a ce côté très chamanique ici. On invoque la lune, on veut peut-être aussi se libérer de quelque chose. Et c'est aussi peut-être libérer aussi une énergie émotionnelle assez fantastique pour le coup. Voilà ce que ça nous dit. Parce que ici, on a quand même dans ce que vous souhaitez le plus, mais je vais revenir, ce 8 de bâton. Donc voilà pour l'invitation vibratoire, votre tableau vibratoire. Maintenant, passons au cœur de votre lecture. Et j'ai ressenti quand même, il y a un peu d'impatience. C'est que vous trépignez d'impatience pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être aussi se dire que oui, il y a des choses qui sont un petit peu en ébullition pour certains d'entre vous. Alors, vous avez juste un arcane majeur qui est dans le contre de votre défi, c'est cette énergie de la justice. Et après, vous avez plutôt des bâtons. Comme j'ai dit, vous avez ici un 8 de bâton. Nous avons ici un 4 de bâton dans ce qui va vous aider. Nous avons aussi ce 5 de bâton dans ce qui arrive pour vous en fin de mois et ce page de bâton. On a aussi, je commençais tout de suite avec celui-ci. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser dans mon introduction. Comme vous vous en doutez, il n'y aura pas d'extension pour ce mois d'août. Vous avez ce 9 de bâton. Mais bien entendu, si j'ai des interrogations concernant une de vos énergies, je vais recouvrir. Alors je reprends avec ce 9 de bâton, je me disperse. Ici, ça nous parle que vous avez peut-être, comment dire, peur de quelque chose, peur de ne pas pouvoir y arriver. Peut-être que vous êtes en train de vous en faire une montagne ici et que vous vous sentez peut-être dépassé par quelque chose, dépassé peut-être par vos émotions, par un événement, par une rencontre. Ça peut nous dire tout ça. Donc il y a quelque chose comme ça, on est un petit peu sur le qui-vive avec cette énergie et ça bouillonne, ça bouillonne. Ah, intéressant, et je regarde en plus qu'il y a, vous avez la lune à nouveau. Donc il y a bien quelque chose que vous avez peut-être, peut-être que vous refusez peut-être d'exprimer une émotion, voilà, qui peut-être vous angoisse, peut-être quelque chose qui vous angoisse, mais qui peut être au sens positif comme au sens négatif, vous voyez? Donc ça, c'est vous qui l'adaptez.
Voilà pour ces bâtons. Et ensuite, on a des épées. On a juste ce deux des épées dans votre état d'esprit. Et on a de la coupe et du pentacle. Du pentacle. Donc là, il y a bien cette notion aussi que les choses vont se faire dans le temps, que rien ne presse, mes chers amis cancer. Alors, je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous dis, mais on va essayer de comprendre tout ça. Mais on est dans votre élément, on est vraiment dans ce côté un petit peu d'humeur changeante, mais en même temps, on comprend qu'il y a des choses à changer à l'intérieur de soi et que vous êtes en train de vibrer une autre fréquence vibratoire justement, et que vous faites aussi confiance, vous faites confiance à vos cycles, vous voyez. Donc là, c'est cette énergie de comprendre ce qui peut être facilement traversable ou non dans ces émotions que vous êtes en train de vivre sur cet été, hein. Et donc voilà. Alors, j'y reviens. Alors, maintenant, dans votre état d'esprit, vous avez ce 2 des épées et ce 2 de coupe. Alors, le chiffre 2, vous le savez, ça peut être soit l'union, soit la dualité. Alors, il y a plusieurs choses. C'est soit vous vous dites, mais est-ce que je suis sur... est-ce que cette relation me procure, une sensation de respect, quelque chose en tout cas qui vous mette sur un même plan d'égalité. Donc ça peut nous dire qu'effectivement que vous êtes hésitant sur deux façons de penser. Pour vivre en tout cas une relation ici avec ce 2 de coupe. C'est soit vous vous dites, mais maintenant je choisis de reconnaître qu'il y a peut-être dans cette relation quelque chose qui me convient plus, qui n'est pas sur le même plan d'égalité, ou soit je m'obstine et je me dis, finalement c'est pas grave, je vais faire avec et je continue peut-être d'aller dans le mur avec cette relation. Ça peut être tout ça, mais moi j'ai plus la sensation que ici on parle de respect. Est-ce que le choix que vous allez faire vous respecte au niveau de cette rencontre, hein? Parce que là on peut nous parler qu'il y a en effet peut-être une vraie rencontre qui peut-être aussi vous paralyse, vous bloque, ou soit vous vous dites mais cette rencontre elle n'est pas pour moi. Voilà, mais moi j'ai la sensation que vous allez quand même vous dire, mais en effet, mais c'est vrai, mais pourquoi je reste dans cette relation? Est-ce qu'elle me met sur un même pied d'égalité? Est-ce que je ressens en tout cas quelque chose qui me respecte? Voilà, ça peut être ça. Donc, parce que vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est ce 8 de bâton, c'est des signes. Un feu d'artifice, que les choses en tout cas, qui est comme une espèce de quelque chose qui vous traverse et qui vous anime et qui vous donne un coup de foudre et vous dit, mais c'est ça, enfin, je me sens vibrer de l'intérieur, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon intérieur, et ça peut être ça. Donc, il y a quelque chose, vous voulez vivre quelque chose de vivre, de traverser une émotion sans la préparer. Ça, c'est ce que ça nous dit. Et là, mauvaise nouvelle pour vous, j'ai le regret de vous annoncer, mes amis cancers, qu'il faut de la patience, que tout se prépare, même dans les plus belles rencontres, parce que parfois, peut-être ce côté impatient, vous dire, mais ça y est, c'est bon, c'est cette voie-là que je choisis, j'ai choisi en tout cas de vibrer cette relation, cette rencontre amoureuse qui me met sur le même plan vibratoire, où je me sens vraiment dans vraiment de bonnes conditions. Ou sinon, est-ce que c'est quelque chose qui qui vous enlise, qui vous met dans quelque chose d'instable, de bancal ici, ça peut dire ça. On est avec ce 2, hein, de toute façon, on est dans la dualité. Voilà. Donc c'est soit vous vous dites, bon, la voie de la peur et des ennuis relationnels, que c'est toujours la même chose, on s'enferme dans un cycle, ou soit on fait le choix d'aller vers une vraie rencontre, quelque chose qui vous respecte. Mais pour passer par cette explosion de bonheur que vous souhaitez le plus, on parle de ce 7 de pentacle, on parle de votre patience. On vous dit qu'effectivement, d'attendre avant de récolter, de pouvoir profiter du spectacle intérieur que vous avez envie de vibrer et aussi de ne pas trop vous précipiter. Hein? On est vraiment dans quelque chose comme ça. C'est que vous voulez peut-être quelque chose de très
qui enfin vous réanime peut-être. Je ne sais pas sur quel plan ça peut prendre. Alors, ça peut être, je parle de la relation amoureuse parce qu'on est sur un 2 de coupe, mais ça peut être aussi, comment dire, une activité, un travail, où là vous dites, mais enfin il y a quelque chose qui est bon pour moi, mais est-ce que ce que je vais faire, ça va, est-ce que je vais me respecter encore, vous voyez, dans cette énergie-là. Ce qui va être en contre pour vous, c'est cette énergie de la justice. La justice. Alors, c'est la seule arcane majeure qu'on a ici et ça nous dit effectivement que vous ne voulez pas trancher. Peut-être que vous restez toujours dans cet état d'hésitation parce qu'on est toujours ce deux et que vous vous dites mais est-ce que je tranche enfin vraiment? Est-ce que je m'engage vers une communication où il y a du répondant mais il y a vraiment une relation saine? Voilà, hein, c'est vraiment, on parle de quelque chose de pur, hein, dans un 2 de coupe, quand il y a vraiment l'union, ou sinon, je reste entre deux eaux, vous voyez, hein, si je reste entre deux relations, mais voilà, du coup, vous avez peut-être aussi à vouloir avoir les deux, hein, le beurre et l'argent du beurre, et bien là, ça nous dit, effectivement, il y a quelque chose, on ne veut pas prendre ses responsabilités et se dire complètement, ça y est, je peux exposer de bonheur et montrer. À cœur ouvert, vraiment la relation avec qui j'ai envie de vibrer. Alors, je ne sais pas si ce que je vous dis, ça peut vous parler, parce que là, il est un petit peu tard quand je fais cette vidéo. Je cherche le calme aussi, là où je suis en ce moment. Donc, voilà. Alors, pour ce qui va vous aider, on vous dit ici, avec ce 4 de bâton, c'est de vous engager. C'est de faire une promesse, c'est de vous dire, voilà, j'ai un désir stable, c'est aussi peut-être d'officialiser quelque chose. On parle ici peut-être d'un contrat de travail, peut-être d'un mariage, mais en tout cas, on vous dit de compter, de pouvoir compter sur quelque chose qui vous donne des actions fortes, des actions tenaces. Hein, donc c'est ça ici, on vous dit, on est avec votre énergie, le 4, donc c'est poser des actions solides. Qui vous engage dans quelque chose qui peut vous mettre dans une vibration créatrice assez géniale. Avec ce 8 de bâton, mais on vous dit effectivement qu'il y a la nécessité de prendre son temps et de ne pas agir trop vite. Voilà, donc il y a un engagement, mais sur du long terme. Concernant votre vie professionnelle, nous avons ce 5 de pentacle. Alors, moi, j'ai envie de vous dire ici, j'ai la sensation que c'est plutôt la période des vaches maigres pour vous parce qu'il y a ce petit koala qui regarde, alors ça se nourrit d'eucalyptus, je crois, et il y a cette pousse verte. Donc, il y a vraiment cette énergie de vivre, de se contenter de ce qu'on a, même s'il peut y avoir peut-être là où vous étiez ou ce que vous occupiez comme activité n'était pas franchement folichon. Mais là, on se dit, là, il y a enfin cette énergie que je peux me nourrir autrement et laisser tout doucement pousser en tout cas cet eucalyptus. Vous voyez, on va comprendre ce 5 de pentacle et d'ailleurs aussi votre état d'esprit, je vais y revenir parce que c'est vrai que je me tire un petit peu les cheveux pour vous là. Donc ça, c'était ça. Pour moi, c'est la période de vache maigre, mais peut-être que vous hésitez. Voilà, vous dites peut-être que je suis dans quelque chose de plan-plan, même si c'est pas très. Même si je me sens pas trop respectée dans ce que je fais, c'est pas grave, je reste là où je suis, voilà, je reste avec mes frustrations, ou soit je décide, d'y aller et de faire une vraie rencontre professionnelle et de me retrouver sur un même pied d'égalité comme j'en ai parlé. Voyez, mais il y a cette énergie aussi de libérer, d'avoir une explosion de joie. Hein, donc c'est un petit peu ça ce que vous souhaitez, c'est une libération émotionnelle assez forte pour le coup. Alors qui peut se traduire bien entendu sur le plan sentimental, mais pourquoi pas aussi sur le plan professionnel ou sur d'autres plans, hein, bien entendu. Concernant votre vie sentimentale, justement, on y revient, il y a cette énergie du 3. L'énergie du 3, ça peut nous parler que vous n'êtes pas tout seul dans la relation, puisqu'il y a une forme de dualité. Alors, soit
Ça peut nous dire effectivement qu'il y a recomposition familiale et qu'il y a des choses à réaliser ensemble, concrètement, hein, c'est ça, au sein d'une relation, de refaire équipe, hein, quelque part, voilà, de trouver en tout cas des compatibilités entre tous. Voilà. Donc là, ça nous parle ici de co-construction, peut-être familiale, de partage aussi, pourquoi pas, et qu'il y a des choses à faire en tout cas pour améliorer cette relation sentimentale. C'est plutôt positif, hein, parce qu'on est sur la durée ici, on est sur quelque chose, on est sur du pentacle. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons ce 5 de bâton et ce page de bâton. Alors, ça peut être soit un nouvel ou une nouvelle prétendant ou prétendante, et qui va peut-être se battre pour vous ici. C'est qu'on va peut-être pousser des coudes avec ce 5 de bâton. On va essayer de se dire, mais on va se dépêtrer de toutes ces bottes de terre, enfin ces petites bottes, je sais plus comment on appelle ça. Et ici, ce page de bâton est plutôt mignon parce que il a envie, en tout cas, de s'investir. Hein. C'est cette énergie-là, de participer à quelque chose, comment dire, avec un cœur ouvert. Hein, avec ce page de bâton. Donc ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre assez dynamique, peut-être une énergie plus jeune que vous qui va se battre pour vous. Voilà, moi je ressens comme ça aussi pour vous. En tout cas, il y a cette énergie jeune. Voilà donc pour les messages que j'ai pour vous. On va donc recouvrir votre état d'esprit et pourquoi pas ce page de bâton aussi. Allez, on va voir ce qui va se passer pour vous en fin de mois. Oula, j'en perds toutes les cartes. Mes amis cancer. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on va comprendre ce 2 des épées avec ce 2 de coupe. On va comprendre ce 5 de pentacle et ce 5 de bâton avec ce page de bâton. Et en dos, nous avons le valet d'épée. Ah, il y a vraiment une énergie jeune, peut-être curieuse, qui a envie de vous découvrir, ou peut-être que vous avez envie de prendre des informations sur cette jeune énergie qui arrive pour vous en fin de mois d'août. Alors, on y va ici. Nous avons, ouf, incroyable. Je vous la montre, ça va pas nous aider. Deux des épées. Donc, il y a de la contradiction. Vous êtes pris entre deux feux, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous êtes peut-être dans le déni. Qu'il y a bien une relation peut-être qui ne vous traite pas à votre juste valeur. Ou voilà, il y a bien cette notion d'égalité, de respect mutuel, et voilà, est-ce que vous êtes vraiment dans cette vibration-là ou pas? Est-ce que vous vous sentez respecté? Pour ce 5 de pentacle ici, nous avons ce 9 de denier. Vous voyez, ça nous parle que vous allez retrouver un confort dans votre vie professionnelle, que vous allez pouvoir en tout cas retrouver comment dire, une réussite financière quelque part, et ça nous parle aussi que vous avez en tout cas beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience, que vous avez des choses à donner parce qu'il y a de la compétence ici avec un 9 de denier. Ça peut nous parler d'une fin de cycle effectivement et que vous changez de voie professionnelle aussi, hein, ça peut être ça. Hein. On est sur quelque chose de vert. Donc c'est plutôt bon pour vous, c'est la période la fin des périodes de la période de vache maigre. Je vais y arriver. Pour ce qui arrive pour vous en fin de mois, donc on va comprendre ce page de bâton ici. Oh, l'as de bâton. Une étincelle, hein, voilà. On allume le feu d'artifice ici. Bon, alors effectivement, je pense qu'ici, le défi, c'est est-ce que vous êtes prêt à patienter encore pour qu'il y ait cette explosion de joie avec peut-être une nouvelle énergie, hein. Il y a bien cette énergie, la rencontre d'une nouvelle énergie jeune ou une retrouvaille plus jeune qui va vous faire plaisir. En tout cas, on s'est démené, on s'est battu pour vous ou c'est vous qui allez vous battre pour cette jeune énergie, hein. Ça peut nous dire tout ça. Voilà mes amis cancer, j'espère que ça a pu vous être utile. En tout cas, faites confiance à votre intuition, elle est là. Donc ça, c'est vraiment écouter vos ressentis sur ce mois d'août encore une fois. Merci à vous et je vous souhaite encore une belle fin de mois d'août, je veux dire, et à très bientôt. Merci, bye bye.